Avec Frédéric, effectivement, et l'ensemble de l'équipe encadrement, on a décidé de pas mal d'animations et puis d'ouvrir aussi le magasin plus tôt. On a plein d'animations très sympas aujourd'hui pour mettre l'ambiance dans le magasin. C'est ça. Je trouve que ça représente bien l'esprit de Noël et je trouve ça très agréable d'aller dans un magasin et de faire une petite pause musicale comme ça. Je trouve ça vraiment bien, ça met un peu de joie. On continue à perpétuer justement ce sens du service et puis ce sens de l'étonnement, puisqu'aujourd'hui il y a plein d'animations, donc on est là pour étonner aussi nos clients et puis faire en sorte qu'ils aient un moment de plaisir et qu'ils viennent faire leur shopping justement avec ce moment de plaisir. Donc à chaque fois, toute l'animation, la Christmas party est toujours très très bien réussie au printemps. On avait reçu une invitation et donc c'était un de nos rendez-vous et on a profité pour faire nos achats et on est venu très tôt, justement parce que c'était ouvert dès 8h. Au printemps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations. C'est très sympa le printemps. Les 20% sont très attractifs, évidemment. Ouais. Voilà. Et puis le printemps, on y est quand même beaucoup. Ouais. On n'y est pas que aujourd'hui. On y est très souvent. À force de nous dire de venir au printemps, on devient addict, on achète plus, mais on veut plus, c'est logique. Je dirais à Frédéric de continuer sur cette voie de l'élégance et d'une forme de simplicité, c'est-à-dire de bien rester sur cet équilibre qui n'est pas facile entre le haut de gamme, un service de haute qualité et en même temps de ne pas perdre la relation. La relation humaine, l'habitude, le fait qu'on est en confiance et que un grand nombre d'articles de marque restent évidemment accessibles. Bonne continuation au printemps, puis j'espère qu'il y aura encore d'autres promotions. Vive le printemps! Un grand merci, vive printemps!